Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis deux décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une facture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, merci d'être venus, comme toujours, tellement nombreux et je suppose tellement attentifs pour assister à ce premier débat du samedi. Un débat autour d'un thème évidemment lourd, riche et qui nous tiendra sûrement en haleine pendant une heure et demie. Comment se préparer à l'improbable pour débattre avec vous et avec les étudiants qui sont là et qui ont préparé un certain nombre de questions, sont réunis sur cette estrade, cette tribune, ce plateau, dirait-on en télévision, mais on est dans une université aujourd'hui. Edgar Morin, sociologue, philosophe. Auteur de très nombreux ouvrages, très très nombreux ouvrages, traduits dans une trentaine de langues et lus dans une cinquantaine de pays. Edgar Morin est un des grands esprits de son siècle, des deux siècles, puisqu'il a traversé deux siècles déjà.
et a beaucoup travaillé sur la notion de progrès, la notion de complexité, de pensée complexe. Et on verra avec lui comment se préparer à l'improbable et comment la complexité rend la chose difficile. Amaury de Hautecloque, à ma droite. Amaury de Hautecloque est un grand serviteur de l'État, ancien étudiant dans ses murs. Vous disiez tout à l'heure que ça vous le rappelait de bons souvenirs, en tout cas Assas et le Panthéon, donc l'université au sens large. Amaury de Hautecloque, après ses études de droit, a été reçu au concours de commissaire, a été commissaire, a assez vite rejoint la brigade criminelle, puis la brigade des stupes, et puis la section antiterroriste, et il est, où il est depuis octobre 2001, et il est aujourd'hui patron du RAID depuis 2007. Et pour toutes ces raisons, à la fois très connu et en grande partie inconnu parce que discret. René Abbat, qui est ici. René est le président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. C'est un homme qui a... Comment ? Pardon. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous avez fait l'école des ponts. Ce que je sais, c'est que vous avez fait Harvard. Que vous êtes entré au Boston Consulting Group en 1974. J'ose à peine le dire parce que c'est là que vous faites au fond l'essentiel de votre carrière, toute votre carrière même, et vous êtes connu pour avoir été conseil d'un très grand nombre de groupes et de gouvernements. Vous êtes petit à petit un des membres dirigeants du Boston Consulting Group dans le monde et en Europe en particulier. Vous êtes aujourd'hui membre de nombreux conseils de surveillance ou conseils d'administration, administrateur de société, et vous avez beaucoup travaillé sur toutes ces questions d'improbable, d'incertain, d'imprévu, de la même manière qu'il était absolument imprévu que je vous attribue une fondation qui n'est pas dans votre CV. Voilà. Dernier intervenant dans l'ordre de présentation, mais pas dans le mérite, Étienne Klein, qui est un scientifique. Grand physicien, membre du CEA, Étienne Klein est aujourd'hui adjoint au directeur des sciences de la matière au CEA. Il a travaillé, dirigé plusieurs laboratoires, très grands laboratoires, dont certains sont, bien sûr, très grands laboratoires. Lui aussi auteur de nombreux livres, de petits laboratoires, oui, des particules, c'est ça ? Oui, bien sûr. De nombreux livres, détenteur de très nombreux prix. Nombreux livres, y compris des livres qui ont été des livres de réflexion sur la science, sur la philosophie, parce que vous êtes également très, très féru de philosophie. Vous avez d'ailleurs un diplôme de philosophie des sciences. Donc, avec ce panel exceptionnel, nous allons essayer de regarder ce qu'est l'improbable et comment est-ce qu'on peut s'y préparer. Peut-être le mieux serait de commencer par, on est dans une université après tout, par une question peut-être un peu scolaire, une définition. Qu'est-ce que c'est que l'improbable ? Au fond, le mieux c'est de savoir ce que c'est que l'improbable ou d'essayer de le savoir pour voir après comment s'y préparer. À vous Edgar Morin, qu'est-ce que c'est que l'improbable ? Alors, l'improbable ne peut se définir que par rapport au probable. Qu'est-ce que c'est que le probable ? Le probable, c'est pour un observateur qui se trouve dans un lieu et dans un temps donné, qui dispose des bonnes informations et des bonnes connaissances sur les processus historiques qui ont conduit au présent. Eh bien, s'il voit ces processus historiques dominants, le développement technique, économique, etc., eh bien, il projette sur l'avenir les courants qui traverse le présent avec les développements que l'on peut prévoir, et ça, c'est le probable. Alors, l'improbable, lui, c'est effectivement ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, et qui n'est pas
dans ce schéma de prédiction. Pendant très longtemps, jusque dans les années, je pense, la fin des années 60 ou 70, il y avait un métier qui était la futurologie, et alors il y avait des gens qui, justement, projetaient dans l'avenir les courants et faisaient des prédictions qui, évidemment, se sont montrées toutes fausses. Bon, ce qui prouve que l'improbable peut arriver de temps en temps. Alors, l'improbable par opposition au probable, comment est-ce que vous définissez l'improbable à Moret de Haute-Cloque ? Alors, moi, évidemment, qui suis dans l'opérationnel, le maniement des concepts tels que celui-ci, lorsque j'ai lu le sujet, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis reporté au Larousse pour aller voir justement ce qu'on entendait par improbable, et sans faire injure du tout à Edgar Morin, pour essayer de comprendre ce que revêtait le sens étymologique de ce mot et est-ce qu'effectivement une unité comme la mienne au RAID se prépare à l'improbable. Donc je suis allé directement au Larousse pour aller voir et je lis à l'improbable qui a peu de chances de se produire ou d'arriver. Donc ça m'a fait un peu penser au mot impossible, donc je suis allé voir ce que signifiait le mot impossible et là je suis tombé sur une définition qui nous renvoie au mot improbable, d'une certaine manière, donc c'était intéressant, puisque l'impossible, c'est ce qui ne peut exister ou qui est hautement improbable. C'est pas compliqué de faire des dictionnaires, alors, hein, il suffit de... J'aurais pu le faire, ça, quasiment. Ouais, ça. Alors c'est intéressant parce que, dans une unité qui est liée à l'actualité et qui doit gérer de l'opérationnel et qui s'intéresse à la gestion de crise et notamment à ce que nous qualifions, nous, le haut du spectre, c'est-à-dire les gestions de crise majeures, le souci, c'est l'adhésion à une vision qui est sur une matière qui est manifestement quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. À une époque où on est dans une société productiviste, consumériste, avec la crise qui passe par-dessus, ce sont des unités qui coûtent cher et où on entraîne de l'argent, des concepts sur des événements qui ont très peu de chances d'arriver. Donc, premier souci que j'ai, moi, c'est un souci purement de ressources humaines, c'est faire adhérer l'ensemble de mes personnels à la préparation de scénarios qui statistiquement ont quand même très peu de chances d'arriver. On parle de chances statistiques parce qu'en général ce sont plutôt des risques dans votre métier. Tout à fait. Alors, l'improbabilité, c'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver dans mon esprit, c'est la loterie nationale. Si vous expliquez aux gens qu'ils ont autant de chances de gagner à l'euro million que de sortir d'un immeuble parisien en se prenant un piano à queue sur la tête avec celui qui joue au piano en même temps, il y en a assez peu qui vont tenter leur chance. Et malgré tout, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne aussi parce que gagner à l'euro million est plus agréable que de prendre un piano à queue sur la tête. Quand même. Sûrement, mais c'est statistiquement à peu près la même chance. L'idée d'une unité comme la mienne, c'est d'avoir la chance et le temps de se préparer au pire. Le pire, c'est donc a priori l'improbable. Pour moi, je le distingue, cher monsieur, je le distingue de l'imprévisible, puisque nous considérons comme improbable des scénarios que nous avons prévus. Par contre, il faut y consacrer du temps et il faut y consacrer des moyens. Alors comment, à mon niveau, au niveau de l'opérationnel, j'arrive à entraîner l'ensemble des personnels sur ce type de solution? Peut-être on y revient tout à l'heure, on continue notre petit tour de définition. Étienne Klein, qu'est-ce que c'est que l'improbable ? Il n'y a pas de définition particulière pour les physiciens. En fait, improbable, ça voudrait dire que la probabilité associée n'existe pas ou est nulle. Ça veut dire impossible, en fait. C'est différent de l'imprévisible, en effet, puisqu'on parle d'un événement dont on dit qu'il est improbable, donc on l'a prévu. Et on a jaugé sa probabilité. Et j'observe simplement que dans l'imaginaire collectif, ça n'est pas un mot qui fonctionne scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de halo symbolique autour de l'idée d'improbable qui fait qu'on l'associe plutôt à la catastrophe alors qu'il pourrait concerner le miracle qui lui aussi est improbable, je crois. Et donc la question qu'on pose, comment se préparer à l'improbable, on pourrait la décliner en comment se préparer aux catastrophes et comment se préparer au miracle si tant est qu'il faille se préparer au miracle. Bon. Mais simplement, cette question elle est posée aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, mais il faut, me semble-t-il, d'abord se préparer au probable et aussi au certain.
Alors ça, c'est une réflexion qui relève de l'évidence, mais qui en réalité n'en est pas tout à fait une, parce que j'ai l'impression que nous avons tendance aujourd'hui à relativiser le probable. C'est-à-dire quand nous savons que quelque chose va advenir, si ce qui va advenir ne nous plaît pas, nous allons procrastiner et faire comme si ce certain ou ce très probable était finalement à nuancer. Je pense par exemple aux prédictions des climatologues sur le changement climatique. Ce sont des scientifiques, ils ont beaucoup travaillé, produit des résultats qui ne sont plus contestés. Mais quand quelqu'un vient nous dire que finalement ce sont des imposteurs, nous tendons l'oreille parce que ces gens qui nous disent que les climatologues sont des imposteurs disent exactement ce que nous avons envie d'entendre, parce qu'ils transforment cet événement probable qui nous dérange en un événement improbable. Ou impossible pour certains même. Voilà. Dans l'univers René Abad, dans l'univers de l'entreprise, de l'économie au sens large, l'improbable fait partie du jeu, si j'ose dire. En tout cas, a été une des matières premières sur lesquelles vous avez travaillé. Comment est-ce que vous définissez l'improbable ? Alors, j'ai fait comme M. de Hotlock, je suis allé également... Larousse ou Robert ? J'ai fait Wikipédia un petit peu. C'est une autre forme de dictionnaire. Une autre forme. Alors, moi, j'ai cherché probable. Et je suis tombé sur une édition d'Aristote qui dit « Le probable est ce qui est communément admis par le peuple et, rajoute-t-il, par les élites. » Voilà, en ce lieu, donc... Bon, alors, pour nous, dans l'entreprise, je crois qu'on essaye de faire la distinction, et cela rejoint ce qui a été dit, hein, la distinction entre l'improbable et l'incertain. L'incertain, c'est ce dont on ne connaît pas l'issue, mais on sait qu'il y a des probabilités significatives qu'il arrive. L'improbable, c'est quelque chose dont la probabilité est tellement faible qu'on ne peut pas l'imaginer, et même, j'irai un peu plus loin, on n'arrive même pas à concevoir ce qui pourrait se passer, on n'arrive même pas à imaginer ce qui peut se passer. Et pour prendre un exemple concret qui n'est pas économique, mais que tout le monde connaît, c'est l'élection en Belgique en 2010. Avant l'élection, l'incertain, c'était quel est le parti qui va gagner les élections. Alors on pouvait faire des études politiques, des sondages, etc., pour essayer de se préparer à un des résultats. Et en fait, quand M. Leterme a été élu, il a immédiatement décidé de renoncer au pouvoir. Et il a remis sa démission au roi. Alors ça, personne ne pouvait le prévoir, que le vainqueur d'une élection décide de ne pas gouverner. Pour moi, ça c'est une illustration de ce qu'est l'improbable. On n'arrive pas à imaginer, à définir finalement ce qui peut se passer. Néanmoins, il faut s'y préparer. Ben, je suppose qu'on reviendra un petit peu là-dessus. Absolument. Edgar Morin, on a parlé d'improbable, d'imprévu ou d'imprévisible, d'incertain. Comment est-ce que vous définissez la relation entre ces mots et comment est-ce que vous dites qu'il faut effectivement se préparer à l'improbable ? Bon, ben je partage ce qui a été dit. La différence entre l'imprévu qui surgit de façon tellement inattendue que c'est inconcevable, disons par exemple l'attaque sur les deux tours de New York, et puis l'improbable que effectivement on peut voir une possibilité, mais j'ajoute que il y a souvent de l'imprévu dans l'improbable. Par exemple, si nous disons le cours de notre civilisation, de la mondialisation, tend vers des catastrophes écologiques ou nucléaires, ou etc. Bon, si ceci est le probable, nous pouvons dire peut-être qu'il y a un autre chemin improbable que nous pouvons définir jusqu'à un certain point. Mais si nous pensons que de tout ceci doit sortir un nouveau type de société, ça, nous ne pouvons pas le prévoir, nous ne pouvons pas le dessiner. Autrement dit, tout ce qui est créatif est inconcevable avant la création. La création, que ce soit sur le plan artistique, la 9e symphonie de Beethoven, ou la création d'une nouvelle société comme l'Empire égyptien, sont absolument inconcevables avant qu'elle existe. Autrement dit, nous sommes obligés de rétablir le facteur de création. Et de plus, nous devons intégrer l'idée de catastrophe possible, c'est-à-dire ce qui va répondre
à des problèmes nouveaux et ce qui, au contraire, peut. Et dans le fond, quand on considère toute l'histoire de la vie sur la planète et l'histoire de l'humanité, c'est un enchevêtrement de catastrophes et de créations. Mais je ne veux pas faire un long discours, je veux simplement donner un exemple de, où l'imprévu et l'improbable sont liés. Par exemple, supposer qu'il y a un observateur venu d'une autre galaxie, de l'Alpha du Centaure, sur la Terre il y a 4 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il voit ? Des éruptions volcaniques, des tempêtes, un chaos indescriptible. Et il fait son rapport au CNRS de sa galaxie en disant... Qui existe déjà, bien sûr. Écoutez, c'est une planète dans le bordel, il n'en sortira rien. Il n'a pas vu que c'est le moment où les premières cellules vivantes commencent à se développer. Bon, si le même observateur revient quelques millions d'années plus tard, il voit des végétaux, il voit des animaux, et puis il voit des petits bipèdes comme ça qui courent. Il se dit, écoutez, c'est pas mal tout ça, mais enfin, ça ne peut pas aller plus loin. Et s'il revient encore quelques millions d'années plus tard, il voit des sociétés humaines, des sociétés de chasseurs-ramasseurs, sans agriculture, sans État, etc., etc. Bon, et il dit, tiens, c'est pas mal, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On ne peut pas imaginer qu'il y aurait des empires, l'empire égyptien, assyrien, romain, etc. Et quand vous voyez le cours de l'histoire, la destruction de tous les empires de l'Antiquité, la mort des civilisations, et le progrès technique, le progrès économique, tout ceci, c'est une aventure, je dirais, à la limite incroyable, sauf pour ceux qui la constatent. Et donc, pourquoi penser que l'avenir ne sera pas aussi incroyable, que l'avenir n'aura pas aussi des phénomènes étonnants? La vie a failli être détruite à la fin de la première ère de notre planète. Des nouvelles espèces sont nées. Là, nous allons, on ne sait pas vers quoi nous allons. Donc, si vous voulez, ce qui reste dans tout ceci, imprévu, improbable, c'est un élément d'incertitude. C'est quand même l'incertain qui va unifier ces deux notions. Et je dois dire que si on est affronté à la complexité du monde, à la complexité de l'histoire humaine, et où, dans quelle histoire humaine joue ce que le philosophe Hegel appelait la vieille taupe. La vieille taupe, c'est-à-dire cette taupe souterraine qui creuse des galeries et à la fin, la surface va péter. Et on se rend compte, mais parce que si on croit que ce qui est à la surface est durable, que l'actuel, si on s'enferme, comme malheureusement on s'enferme, dans l'idée que l'actuel est figé et solidifié alors que tout évolue de plus en plus, on est dans l'erreur totale. Mais nous avons peur de l'improbable, nous tendons à l'éliminer, nous voulons acheter des certitudes, et c'est ça l'erreur, je crois. Il faut beaucoup plus acheter de la complexité. Je veux dire que si nous savons que le réel est complexe, c'est-à-dire est fait d'interactions multiples de toutes sortes, d'interactions, de réactions, dans tous les domaines, que le monde n'est pas à l'image d'une université où il y a les départements de sociologie, de philosophie, de biologie, etc. Tout ça est mêlé. Si nous savons ceci, nous savons qu'effectivement, il faut faire un effort pour comprendre cette complexité, mais qu'on ne pourra jamais éliminer toute incertitude. Et j'ajoute, je ne veux pas trop parler, mais le dernier mot, c'est que la tragédie, c'est que notre système d'éducation, je le dis ici dans ce lieu grandiose, que notre système d'éducation nous rend de plus en plus incapables de considérer la complexité, c'est-à-dire les problèmes fondamentaux et globaux auxquels nous sommes de plus en plus voués. Et cette incapacité qui nous rend myopes nous rend incapables de comprendre que ce qui se passe, de vraiment déterminer les véritables probabilités et surtout les possibilités d'improbabilité. Donc, il nous faut une réforme de l'éducation, une réforme de pensée pour pouvoir affronter la complexité, donc l'improbable
Et si l'imprévu ne peut pas être connu, moi, ma maxime, elle est attends-toi à l'imprévu. Au moins, attends-toi à la surprise. Sois capable de penser que les choses, des événements étonnants peuvent arriver. C'est cette disposition d'esprit, d'ouverture, et de, qui est vitale aujourd'hui. Étienne Klein, comment ? Comment est-ce que le scientifique réagit à ça ? Bon, d'abord, je n'aime pas parler après Edgar Morin, pour des raisons que je connais bien. Non, mais quand même, pour aller dans le sens de ce qu'il vient d'expliquer, tout événement qui a lieu, en fait, était improbable. À commencer par notre propre existence. Pour que nous existions individuellement, j'entends, il a fallu que nos parents se rencontrent, ce qui déjà n'était pas forcément imposé par l'histoire, puis les grands-parents, etc. Et puis on tombe sur une époque où il n'y avait pas de grands-parents, il n'y avait plus d'êtres humains, il a fallu que des atomes de carbone soient fabriqués dans les étoiles. Et quand vous faites la conjonction de tous ces événements qui sont individuellement improbables, vous concluez que votre propre existence est impossible, et pourtant vous êtes là. Et donc, il y a une espèce d'obligation de penser l'improbable à toutes les étapes de l'histoire. Maintenant, et c'est là aussi une des matières premières du scientifique. Absolument. Mais à chercher ce qui ne s'est pas produit et ce qui pourrait se produire. Mais je pense que dans nos discussions, le mot improbable désigne moins des événements dont nous pourrions calculer la probabilité et constater qu'elle est faible que des événements que nous pouvons imaginer sans être capables d'évaluer leur probabilité. Parce que dans le monde que décrit Edgar, un monde qui est liquide, les ressorts de la prédiction et du calcul exact deviennent très difficiles à trouver, de sorte que nous n'avons pas les assises théoriques ou pratiques qui permettent de calculer des probabilités pour tous les événements que nous sommes capables d'imaginer. D'autant qu'il y a des événements qui vont se produire que nous ne sommes pas capables d'imaginer. Et je pense que tout ça doit être mis dans le même sac des événements improbables qui vont survenir en bien ou en mal, et qui vont sans doute, même lorsque nous les aurons prévus, pouvoir nous surprendre. Et donc, on peut faire un effort d'imagination, et je pense que dans l'équipe que dirige Amaury de Haute-Cloque, c'est ce qu'on fait tous les jours, on essaie d'imaginer toutes sortes de scénarios improbables. Mais tout le monde ne peut pas faire ça, parce que si tout le monde faisait cela, sachant que l'imagination n'a pas vraiment de limite en la matière, on va être en quelque sorte enseveli par l'improbable. Et une de nos missions également, c'est de s'occuper du réel, et pas seulement de ce qui va advenir. Et donc, il faut à la fois le penser, peut-être le préparer si tant est que la chose soit possible. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se préparer à une catastrophe. Je veux dire, psychiquement, quand elle advient, même si on l'a imaginée, scientifiquement étudiée. Mais se préparer à l'éviter, oui. Et donc, ça on peut essayer d'éviter, mais on ne peut pas non plus faire croire qu'on va éviter toutes les catastrophes. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, la dernière catastrophe nucléaire, climatique et nucléaire, est-ce qu'elle est improbable, imprévue, incertaine? Comment est-ce que vous la qualifiez? Elle a été prévue, puisque les ingénieurs japonais qui s'occupaient de cette centrale savaient que la digue qui était censée protéger des tsunamis n'était pas assez haute, puisque la probabilité que certains tsunamis plus hauts que la digue arrivent avait été envisagée. Simplement, je pense que ce qui n'avait pas été prévu, même si je ne suis pas très au fait du dossier, c'est la conjonction tsunami-dévastation-accident nucléaire. Et psychiquement, un technicien qui est dans la centrale, qui sait que son village, par exemple, ou sa ville a été dévasté par un tsunami, aura comme souci de savoir ce qu'il est advenu de sa famille, par exemple. Et ça va le mettre dans un état psychique qui va lui faire perdre peut-être quelques connaissances de base en physique nucléaire. Et donc, quand les catastrophes s'empilent les unes derrière les autres, la préparation à cette improbabilité double, en quelque sorte, devient très difficile. Amaury de Haute-Cloque, j'ai suspendu tout à l'heure votre démonstration et votre raisonnement sur comment est-ce qu'on se prépare et comment est-ce qu'on prépare une équipe à l'improbable. Et donc, je vous redonne le fil de ce que vous vouliez dire. Oui, mais si vous le permettez, avant d'en venir aux tentatives de préparation que nous faisons sur des scénarios ou des événements improbables, je voudrais revenir un peu sur ce qu'avait dit Edgar Morin sur l'ouverture d'esprit, sur l'imprévu et la curiosité. Je rejoins parfaitement votre analyse en précisant que l'improbable, il est par définition l'ennemi de la certitude, il est l'ennemi de la planification.
Il est l'ennemi des modélisations, les modélisations qu'on fait dans tous les domaines, que ce soit en sécurité bien sûr, mais les modèles économiques. Et d'une certaine manière, je pense que quelqu'un comme Peter Ustinov, dont j'ai marqué la réflexion, qui avec le sens de l'ironie reflète parfaitement ce contre quoi on essaye de lutter au quotidien, il disait « Si le monde explose, la dernière voix audible sera celle d'un expert disant que la chose était impossible. » Et dans l'ironie de cette phrase, je crois qu'il y a là, à mon sens, toute la problématique de notre débat autour de l'improbable, c'est comment entraîner une équipe, un secteur, qu'il soit économique ou sociétal, vers quelque chose sur lequel, a priori, personne ne table. La solution qu'on a trouvée, nous, c'est que dans les événements improbables, ce qui nous menace, c'est la peur et c'est la paralysie. La paralysie des pouvoirs publics, la peur de la non-compréhension d'un événement. Dans toutes les gestions de crise que nous avons à gérer, la problématique, c'est que nous avons affaire à des informations qui sont diffuses, qui sont contradictoires, qui sont inexactes. Et à chaque fois, nous arrivons sur des événements qui sont multiples, qui posent des problèmes de sécurité, qui posent des problèmes de secours, qui posent des problèmes de vie en société, d'urbanisme. Et tout ceci est regroupé dans un magma informe qui est difficile à appréhender. L'improbable, c'est ça, c'est essayer de comprendre quelque chose qui, par nature, vous a dépassé dès le départ, puisque ou vous n'y avez pas cru, ou vous n'y étiez pas préparé. Le cerveau humain, parce qu'il doit être rationnel, ne peut commencer à prendre le pas sur les choses, sur l'événement, que s'il commence à les comprendre, à les dominer. La seule solution que nous ayons trouvée, nous, dans mon unité, c'est de les diviser. Si on prend... De les séquencer, vous voulez dire ? Les séquencer. Alors, il y a des préparations qui sont évidemment personnelles, et là, c'est au niveau des sélections, au niveau de la formation initiale, au niveau de la formation continue. On s'adosse énormément... aux techniques que nous avons empruntées au sport de haut niveau. Comment faire pour qu'un coureur du 100 mètres soit performant 10 secondes tous les 4 ans? C'est beaucoup de médecins du sport ont travaillé sur cette problématique de la préparation mentale. On l'a, nous, importé, je dis nous, c'est pas uniquement le RAID, mais c'est beaucoup les forces spéciales, pour essayer de préparer les personnels à des événements qui, par nature, vont nous paralyser. Vont nous paralyser parce que on va avoir un problème de compréhension de l'événement, et tant que vous ne comprenez pas, vous avez peur. Et quand vous avez peur, vous avez ou la mauvaise réaction, ou vous avez une paralysie. On table, nous, sur des études qui sont, je crois, aujourd'hui communément admises sur la gestion du stress, qui nous ramènent à penser que chaque personne sur la Terre, en situation de stress intense, est en situation d'évoluer par rapport à une situation nominale, où il serait complètement tranquille, à peu près entre 50 et 60% de ses capacités. C'est très injuste. On a beau travailler avec toutes les techniques d'optimisation du potentiel qu'on peut importer sur notre travail, on ne pourra faire bouger qu'à epsilon la capacité de gestion du stress de chacune des personnes. Alors tous les recrutements que nous faisons, ils tournent autour d'une chose qui est très simple, c'est qu'au-delà des tests physiques qui sont évidemment sélectifs, mais qui ne m'intéressent que très à la marge, moi, ce dont je veux m'assurer, c'est si possible, en situation de stress, que la personne ait toujours la capacité de la compréhension de l'environnement dans lequel elle va évoluer, la compréhension d'un ordre, la capacité à agir en équipe ou en unité constituée, et à s'adapter immédiatement à un milieu qui est changeant. J'aime beaucoup l'idée, et qu'on fait volontiers lors des sélections que nous organisons, le fait de prendre une montre à l'individu. Faites-le chez vous, vous verrez, c'est très simple. Vous retirez la montre de la personne que vous voulez étudier et vous allez lui fixer des rendez-vous très stricts durant toute la journée. Au premier rendez-vous où elle se présente, vous allez la punir, même si elle est à l'heure. Il faut qu'il ait un sentiment d'injustice par rapport à la capacité de mobilisation mentale qu'il a organisée pour essayer d'être à temps à ce rendez-vous. La gestion de la problématique de l'heure, plus l'injustice de la première punition, va le mobiliser à presque 70% de sa capacité mentale sur l'obsession d'être à l'heure. Cette capacité-là, on l'a modélisée pour retrouver un peu la même gestion du stress que nous rencontrons lors des interventions que nous avons à mener. À chaque fois que nous faisons des prédictions, des prévisions, des plans A, des plans B, des plans C, ça ne se passe
jamais exactement comme on l'a travaillé. Donc il faut systématiquement que mes personnels, par rapport à la présentation d'une situation que j'ai pu leur faire, du scénario que nous avons envisagé et de la planification d'une reprise des événements sur la gestion de crise, puissent s'adapter. Derrière la porte, il y a quelqu'un qui nous attend, qui est armé, qui va nous tirer dessus. Mentalement, je me prépare. On ouvre la porte, on tombe sur une femme avec un bébé sur les bras. Immédiatement, le personnel qui est monté en pression pour se préparer à subir une agression doit switcher pour retomber à une phase nominale de non-agression et de pouvoir traiter la situation telle qu'elle est finalement se déroule sous ses yeux, alors que ce n'était pas du tout celle que nous avions envisagée. Préparation personnelle, préparation collective, on essaye de faire de l'anticipation. Alors on travaille sur tout un type de scénario, vous le disiez tout à l'heure, les prises d'otages massives, les prises d'otages complexes. Quelle est la différence que nous faisons? Les prises d'otages massives mettent en œuvre, comme son nom l'indique, énormément d'otages qu'ont fait le théâtre de Moscou au début des années 2000. On travaille, nous, sur des scénarios type grand stade, type salle de cinéma, type opéra, et puis prise d'otages complexes. Etc., d'accord. Voilà, bon. Ici par exemple. D'accord. Prise d'otages complexes, c'est plusieurs foyers de crise. Exemple parfait, Bombay. Différents événements avec une vraie nouveauté qui a été opérée par le commando qui est intervenu sur la ville, ça a été de créer les conditions du chaos de la réponse étatique avant de définir des cibles qu'ils avaient préalablement retenues, qui étaient ces hôtels internationaux. Des hôtels internationaux pris pour cible, parfaitement prévisibles. Ça a déjà été fait avant, ça avait été fait à Bali, ça avait été fait ailleurs. En revanche, ce qui n'avait pas été prévu, c'était d'organiser en ville les conditions d'un chaos en attaquant une salle de cinéma, un commissariat de police, un centre culturel juif, et en créant les conditions d'une riposte inappropriée pour la puissance publique, ce qui fait qu'au final, lorsque le commando est entré dans les hôtels, il n'y avait plus un seul responsable de la sécurité pour pouvoir s'y opposer. On a travaillé sur ces scénarios et du coup, nous nous sommes organisés autrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. René Abbat, un mot. Alors évidemment, les situations dans lesquelles vous êtes intervenu ou que vous avez vécu en tant que chef d'entreprise sont évidemment moins dramatiques au sens physique et humain du terme, mais l'incertain, l'improbable, toute la notion du risque faisant partie intrinsèque de l'économie, elle a été au cœur de ce que vous avez fait. Comment est-ce que vous avez géré et comment est-ce que vous avez intégré le fait qu'il fallait vivre avec l'improbable ? Oui, en effet, heureusement, les situations sont moins dramatiques. Ceci près que dans les entreprises, la non-préparation peut avoir des conséquences sur des dizaines de milliers de personnes. Pensez aux crises financières, etc., où ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont impliquées, qui sont touchées par ces événements. Alors, très rapidement, avec la définition de l'incertain, je crois que les entreprises intègrent assez bien les événements sur lesquels auxquels elles attachent des probabilités. Dans les processus budgétaires, dans la réflexion stratégique, les entreprises font et identifient les actions qu'il faudra conduire dans telle situation, dans telle autre situation. Bon, ce qui est plus difficile, c'est ce dont on parle, c'est l'improbable, ce qu'il est difficile de concevoir même. Alors là, il y a plusieurs choses dont j'ai été témoin, hein, plutôt que j'ai conçu, dont j'ai été témoin, soyons humbles dans tout ça. Tout d'abord, il est important que les entreprises encouragent la diversité des équipes, la diversité des opinions. La monoculture est l'ennemi numéro un, finalement, des capacités d'adaptation. Hein, si on ne fait que reproduire ce que l'on a vu, ce que l'on a vécu, et si tout le monde a vécu la même chose, ben, il y a peu de chances qu'on soit capable de réagir de la bonne manière. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les signes noirs passeront totalement inaperçus dans une entreprise monoculture. Deuxièmement, je crois que vous l'avez dit, assurer que la transparence, le partage d'informations est prévalent. Il faut vraiment forcer, habituer les collaborateurs à partager tous les problèmes auxquels ils ont fait face, toutes les difficultés qu'ils ont dû surmonter, toutes les surprises qu'ils ont vécues sur le terrain auprès des clients. Il faut qu'il y ait une remontée, un partage d'informations.
Et c'est d'ailleurs dans le transport aérien ce qui conduit les grands transporteurs à publier très très largement tous les enregistrements des boîtes noires lorsqu'il y a eu un crash. C'est pour que les informations soient intégrées par les équipes et de façon complète. Troisièmement, développer une culture d'écoute, une culture d'ouverture, avoir une organisation qui est à l'écoute des problèmes potentiels, qui est à l'écoute des signaux faibles, et s'assurer que l'on valorise justement cette attitude vis-à-vis des informations qui viennent. Alors, enfin, ce que nous faisons, ce que des entreprises font, elles appliquent, je crois, ce qui a été évoqué précédemment, la méthode des scénarios. Et ce que nous essayons de faire, c'est non pas de prévoir ce qui va se passer, puisque par définition presque je suis dans la situation où on ne peut pas prévoir, mais imaginer plusieurs futurs, des futurs caricaturaux, des futurs dont on sait qu'ils ne se produiront pas, mais qui peuvent contenir en eux des éléments de ce qui pourra se passer. Comme Nicolas Bétou m'a donné le titre de président de la Fondation Hulot, je m'étais... Vous allez devenir... C'était totalement improbable, mais je m'y suis quand même préparé. Et j'ai pris un exemple, en fait, dans le domaine du développement durable. Une entreprise qui fait face aux incertitudes. J'ai vu faire quelque chose d'intéressant. Ils ont donc appliqué cette méthode de définir des futurs possibles, des futurs improbables, et caricaturaux. Le premier, c'était ce qu'ils appelaient la dictature du green, hein, où chacun serait épié sur ses comportements écologiques à la mode de George Orwell. Deuxième futur, l'écologisme de façade qui masquerait des pratiques totalement inchangées. Le troisième, une révolution profonde des modes de consommation de chacun de nous, de chacun des consommateurs, vers une consommation plus locale, plus écologique, etc. Et dernier futur, le futur apocalyptique, où personne n'a su prévoir les conséquences du réchauffement de la planète et donc d'immenses sécheresses, les trois quarts du globe qui seraient finalement condamnés. Aucun de ces scénarios ne se produira. Néanmoins, il est fort probable que l'avenir inclura certains éléments de chacun d'eux. Alors, une fois que l'on a fait ça, on peut étudier la stratégie que l'entreprise est en train de mettre en œuvre, quelle stratégie produit, quelle stratégie recherche et développement, quelle stratégie ressources humaines, et tester cette stratégie en la faisant passer dans chacun de ses futurs. La tester dans chacun des futurs caricaturaux que j'ai évoqués. Et si cette stratégie, finalement, ne résiste qu'à une très, très minorité d'entre eux, il devient légitime de se poser la question et probablement nécessaire de la revoir. Donc voilà un petit peu comment certaines entreprises travaillent sur cette préparation, préparation indispensable, préparation difficile, et qui n'est pas prévision, bien sûr. Alors vous connaissez la règle du jeu, merci René, vous connaissez la règle... La règle ici, c'est que nous sommes entourés d'étudiants, ils viennent cette fois-ci de l'ISTH, de Sciences Po, de Dauphine, de Normal Sup et de Paris 1, et ils ont préparé un certain nombre de questions. La salle aussi aura la parole, donc peut-être on pourrait démarrer par une question sur la question 5, je ne sais pas si, qui l'avait formulée, et je ne sais pas si vous avez des micros. Vous avez un micro, est-ce que vous voulez bien la poser? Vous pouvez peut-être vous présenter, dire de quelle école vous êtes. Bonjour, et poser votre question. Donc je m'appelle Marie, je suis étudiante à Dauphine, et ma question s'adresse principalement à Étienne Klein, même si... Forcément, tout le monde aura sûrement quelque chose à répondre. Vous êtes scientifique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les sciences pourront anéantir complètement la notion d'improbable, au point que, comme le dit le proverbe, en repérant un battement d'ailes au Brésil, on pourrait anticiper la tornade au Texas? Je vous remercie pour cette question. J'ai une bonne question. Il y a un contresens sur cette fameuse tornade. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et l'idée, c'est que s'il y a une petite cause qui se produit quelque part, elle peut engendrer des effets beaucoup plus grands, beaucoup plus loin, beaucoup plus tard. Et en fait, c'est un contresens. Parce que si on lit l'article de Lorenz qui a inventé cet effet, ce qu'il veut dire, c'est que quand il y a multiplicité de causes, on ne peut plus faire la part des choses et dire à quelle cause particulière
qu'on peut attribuer à un effet qui se produit par la suite. Et donc l'idée que les petites causes produisent des grands effets, ce n'est pas ça l'effet papillon. Donc c'est juste une petite précision. Maintenant, l'idée que la science pourrait tout englober, si vous imaginez qu'un jour, par exemple en physique, on aura une théorie du tout qui permet d'écrire toutes les interactions et qu'à partir de là, on pourra tout prédire, évidemment, personne n'y croit parce que d'abord, nous ne modélisons pas, nous physiciens, les sociétés humaines, nous ne modélisons pas la biologie, nous ne savons pas dire ce qui se passe dans le cerveau des gens par les instruments de la physique, ce qui n'empêche pas les neurosciences de faire des progrès, mais on est très loin d'une connaissance totale. Et même s'il y avait une connaissance totale, rien ne garantit qu'elle permettrait de faire des prédictions déterministes. C'est-à-dire que l'aléatoire pourrait avoir place dans un monde dont on connaîtrait totalement les lois. Il y a eu un prix Nobel de physique la semaine dernière attribué à un physicien français qui travaille sur la mécanique quantique, qui est une physique dans laquelle la probabilité fait partie intégrante du formalisme. Et dans nos discussions, moi, j'ai pas de rapport à l'improbable plus grand que n'importe qui dans la salle, sauf peut-être quand je fais de la montagne, qui me met parfois dans des situations, pour le coup, improbables, ça m'est arrivé quelques fois. Mais dans nos discussions, on a l'impression que ce qu'on appelle improbable, c'est toujours un événement particulier qui survient. Mais l'improbable peut tout à fait concerner des processus très très longs, complètement invisibles et impensables. Je suis en train de lire un livre de Jean-Michel Beignet, qui est un philosophe qui travaille sur les machines. Ce livre s'appelle « L'homme simplifié ». Et dans l'un de ses chapitres, il s'intéresse à un événement improbable qui est la disparition du langage. Au sens où, à force de faire des textos, de sacrifier le langage, de ne plus respecter l'orthographe, et je le dis parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle et je corrige des copies, à force de considérer que l'orthographe c'est une vieillerie héritée du passé qui n'a aucun intérêt, il pose la question de savoir si le langage articulé qui permet de dire des choses subtiles, de transmettre des émotions, ne va pas disparaître. Et voilà un événement improbable qu'on peut penser, mais auquel nous collaborons chacun discrètement chaque jour en écrivant des textos malhabiles. Dans l'univers des sciences, comment est-ce que on peut gérer, comment est-ce que l'obsession de l'improbable a donné naissance à ce qu'on appelle en politique le principe de précaution, et comment est-ce que vous gérez cette forme nouvelle d'attitude vis-à-vis du risque au fond de la société? Alors moi j'observe deux choses. La première, c'est que le principe de précaution en France a un double statut. Il a le statut officiel qui est que quand on est dans une situation d'incertitude, on doit travailler, faire des recherches pour réduire les risques. Mais il y a un autre sens du principe de précaution, qui est le sens qui commence à gagner, en tout cas qui l'acquiert de plus en plus médiatiquement, qui vise non plus à diminuer les dangers, mais à diminuer les angoisses. Bon. Travailler sur les angoisses, c'est une chose. Travailler sur les dangers, c'est une autre chose. Bon. Et enfin, il y a des cas où on ne sait pas très bien ce qu'il implique, puisque la seule fois de ma vie que je me suis approché de très près d'une situation improbable, c'est lorsqu'on a inauguré le LHC, le collisionneur du CERN, vous savez, cette machine qui a permis la découverte du boson de Higgs au mois de juin dernier. Et les physiciens, depuis des années, se demandent ce qui se passe quand on fait des collisions de protons à très haute énergie. Or, les collisions de protons à très haute énergie sont décrites par des théories qu'on n'a jamais pu vraiment éprouver, parce que justement, on n'avait pas la possibilité en laboratoire de produire de telles collisions. Donc, on a fait des scénarios en donnant des coefficients de probabilité aux différentes théories qui sont sur le marché prétendent décrire ces collisions, sans savoir laquelle est la bonne. Et quand vous empilez ainsi des scénarios, donc les uns derrière les autres, avec des probabilités calculées aussi bien qu'on peut le faire, vous aboutissez à la probabilité, ou plutôt à la possibilité, dont vous pouvez calculer une probabilité très faible mais non nulle, que les collisions de protons vont fabriquer des mini-trous noirs qui vont absorber toute la matière. Donc avaler la Terre. Donc des collisions de protons provoquent non pas la fin du monde, mais la disparition de la Terre, ce qui est quand même un événement embêtant. C'est un sujet, oui. Alors ça, c'est des choses qu'on a calculées, mais sans pouvoir donner un véritable sens aux probabilités qui sont par construction non nulles, puisque nous ne savons pas ce qui va se passer, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons construit la machine. Alors c'est sorti dans la presse. Et le jour de l'inauguration du LHC, alors que nous faisions des
tourner les protons sans faire de collision, donc le risque était nul, parce qu'il n'y avait pas de collision. Mais on voyait des gens de Genève, où est installée la machine, qui faisaient la queue pour acheter des billets de bateau et se réfugier à Lausanne. Bon. Alors, on leur a dit, écoutez, c'est pas la peine. Si vraiment ça se produit, il y aura des ondes gravitationnelles qui partiront à la vitesse de la lumière et Lausanne sera touchée quasiment en même temps que Genève. Donc, c'est pas la peine. Le Suisse est prudent. Mais attendez. Mais c'est pas facile à gérer médiatiquement. Bon. Et du coup, on s'en est sorti grâce à la Lune. Parce que la Lune est une planète qui n'a pas d'atmosphère et qui est bombardée par le rayonnement cosmique. Et dans ce rayonnement cosmique, il y a des particules qui ont beaucoup plus d'énergie que les particules du LHC. Donc depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 5 milliards d'années, la Lune subit des collisions dont l'énergie est bien supérieure aux collisions du LHC. Or, elle est toujours là. Preuve que même si des mini-trous noirs sont formés sur la Lune, ils n'ont pas la capacité d'absorber la planète. Mais ça n'a pas convaincu tout le monde, puisque certains ont fait remarquer que la Lune n'est là que depuis 5 milliards d'années et que cet événement finira bien par arriver. Merci beaucoup. Une question, la question 6, peut-être, je ne sais pas qui... Question à Edgar Morin. Qu'est-ce qu'il veut poser ? Voilà, mademoiselle. Vous vous présentez ? Je m'appelle Maïna de la Cochetière. Je suis élève à l'ISTH en prépa Sciences Po. Ma question s'adresse à Monsieur Morin. L'improbable n'est-il pas juste le nom que l'on donne à notre ignorance ? Est-ce que l'improbable est le nom qu'on donne à notre ignorance ? Prenez donc le micro. On essaye de l'improbable. Qu'est-ce que c'est que notre ignorance ? Notre ignorance signifie que, effectivement, nous n'avons pas assez étudié l'histoire, les événements, et qu'à ce moment-là, nous sommes victimes de cette ignorance. Non, moi je dis que le probable, c'est-à-dire que même, d'ailleurs, Étienne Klein va dire, même si vous avez les connaissances les plus grandes, les plus multiples, vous ne pouvez pas éliminer l'improbable. C'est ça qui est la chose importante. Vous ne pouvez pas éliminer ni l'imprévu, ni l'improbable. Bien sûr, il y a des moyens, prenez par exemple, il y a des moyens statistiques en période stable, vous pouvez prévoir le nombre d'accidents d'automobiles à l'époque des vacances de Pâques. Mais vous pouvez prévoir le nombre total. Vous ne pouvez absolument pas prévoir les accidents individuels. Mais ça, c'est en période stable. Mais comme nous sommes dans une période mouvante, les statistiques sont de moins en moins de secours. Et c'est ici, je pense, que je vais reprendre quelque chose qui a déjà été dit. Il y a ce qu'on peut appeler l'écologie de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez décidé une action, celle-ci va commencer à vous échapper dès qu'elle va entrer dans le milieu social, historique, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle va être l'objet d'un jeu d'interaction, de rétroaction. Et souvent, l'action va vous revenir sur vous comme un boomerang sur la tête. D'ailleurs, c'est ça qui explique pourquoi dans l'histoire, on prend la décision de déclencher une guerre en étant sûr de la victoire et on arrive à la défaite, que ce soit Napoléon pour la campagne de Russie, Hitler pour la campagne de Russie, Napoléon III pour la guerre à la Prusse. Dans le fond, on voit que souvent, l'action n'obéit pas aux intentions de celui qui la décide. Alors, quels sont les remèdes ? Le premier remède, c'est qu'effectivement, il ne faut pas programmer, parce que qu'est-ce que c'est qu'un programme ? C'est vous fixer les lignes de l'action à faire d'une façon rigide. Il faut, comme l'a très bien dit M. l'économiste, la stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie ? La stratégie, c'est la capacité de modifier l'action en fonction des informations nouvelles que l'on reçoit, des hasards, des aléas que l'on rencontre sur la route. Alors, mais ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire que nous devons savoir que tout ce que nous décidons, que ce soit sur le plan de la politique, de notre vote, du choix du président ou même de nos actions, que tout ce que nous décidons
de l'idée de que nous voulons travailler pour la fraternité humaine, que tout ce que nous décidons doit être conçu comme un pari. Je pense qu'il faut généraliser le pari de Pascal. Pascal disait qu'il faut parier sur l'existence de Dieu. Moi, je ne me parie même pas là-dessus, mais je pense qu'il faut parier sur tout ce que nous voulons. Nous voulons la liberté, il faut parier, mais nous ne sommes pas sûrs que nous utilisons les bons moyens. Moi, j'ai connu des militants merveilleux qui croyaient travailler pour l'émancipation des peuples sans savoir qu'ils travaillaient pour l'esclavage tel qu'il était pratiqué en Union soviétique ou en Chine maoïste. Enfin, l'erreur et l'illusion, c'est une des choses les plus courantes dans la vie. Ce n'est pas seulement le problème de l'ignorance qui est en jeu. C'est que sans arrêt, comme toute connaissance est une traduction d'une réalité difficile, mais dans toute traduction, il y a risque d'erreur. Toute connaissance, toute théorie est une reconstruction. Nous vivons dans un monde où nous sommes sans cesse menacés par l'erreur et l'illusion. Et c'est pour ça que quand on est dans l'erreur, eh bien, des choses vous surprennent beaucoup. Et si vous diminuez les erreurs, la possibilité d'erreur, vous commencez à mieux vous orienter. Seulement, il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est comment l'improbable se transforme en probable. Moi, je vais donner une expérience que j'ai vécue avec ceux de ma génération. C'est que, vous savez qu'en 1941, c'était la période où l'Europe était occupée par l'Allemagne nazie, et où l'Allemagne nazie avait déclenché en juin 1941 une grande offensive contre l'Union soviétique, qui avait pratiquement bousculé tous les troupes soviétiques. Ils étaient arrivés aux portes de Moscou. Et disons qu'au début de l'automne 1941, la domination hitlérienne sur l'Europe et sur l'Union soviétique était absolument probable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé d'abord deux événements météorologiques qui n'étaient pas probables, c'est-à-dire, un, une série de pluies diluviennes qui ont englué dans la boue l'armée allemande aux portes de Moscou qui était prête à prendre la capitale, et deuxièmement suivi d'un gel extrêmement précoce qui a congelé cette armée. Il se trouve aussi que Hitler avait déclenché son offensive en juin 1941 alors qu'il l'avait prévu en mai. Il a dû la retarder parce qu'il a dû aller au secours de son ami Mussolini qui était empêtré en Grèce, traversé la Yougoslavie et liquidé en un mois la résistance serbe. Il y a eu aussi le fait que Staline a su à ce moment-là par son agent au Japon Sorg que le Japonais n'attaquerait pas l'Extrême-Orient et il a pu divertir toute son armée d'Extrême-Orient sur le front de Moscou. Bref, le 4 décembre 1941, le général Yukov déclenche la première contre-offensive victorieuse, la première victoire sur l'Allemagne, en refoulant de 200 km les troupes nazies. Et le lendemain, le Japon attaque Pearl Harbor et l'Amérique entre dans la guerre. Et voici deux événements à deux jours près qui ont transformé une haute improbabilité en un début de probabilité. Et c'est pourquoi moi, personnellement, je continue à parier sur l'improbable. Merci. À plusieurs reprises dans votre démonstration et votre exemple, vous avez parlé de pari, de risque. Et est-ce que la société occidentale, la société développée telle qu'on la connaît, ne rejette pas de plus en plus le pari, le risque? Est-ce que cette société ne déteste pas de plus en plus l'improbable? Écoutez, il y a des mentalités qui ont tellement peur de l'improbable qu'on essaie de l'exorciser. Mais l'erreur est de penser que nous pouvons, au contraire, l'ignorer. Écoute, actuellement, par exemple, bon, c'est vrai que quelles sont les probabilités que le développement technique, économique, scientifique détruise la biosphère, que la multiplication des armes nucléaires
provoque à un moment donné des destructions humaines épouvantables, que dans le climat de crise actuelle, le développement des fanatismes religieux, ethniques et autres, eux-mêmes sont liés à tous ces processus, que l'économie n'a aucune régulation et que si on est entré dans une crise économique, qui dit qu'on en sortirait de quelle façon ? Bref, les probabilités sont tout à fait inquiétantes et on ne peut pas prévoir quand il y aurait des catastrophes, quelle serait la nature des catastrophes, quels seraient les liens entre les différents événements politiques, sociaux, religieux, etc. Mais on peut prévoir, disons, en gros, un processus catastrophique et extrêmement négatif. Pourtant, des forces improbables, des forces minoritaires réagissent, que ce soit sur le plan des villes qui se dépolluent, que ce soit sur le plan de l'agriculture biologique et fermière. Nous voyons un peu partout un grouillement d'initiatives minoritaires, mais qui, si elles se conjoignent, peuvent amener à un changement de voie. Alors, pour le moment, c'est totalement improbable, parce que les forces qui conduisent aux catastrophes probables sont beaucoup plus importantes que des autres qui sont dispersées, qui ne décident pas de, qui n'ont pas beaucoup de porte-voix dans le monde politique. Mais là aussi, nous sommes dans une situation où on est contraint au pari. Et du reste, toutes les décisions sont en fait des paris. Le malheur, c'est qu'elles ignorent qu'elles sont des paris. Quand vous décidez de lancer le nucléaire, vous faites un pari. Il faut savoir que c'est un pari. Amaury d'Haute-Cloque, sur le même sujet, on est dans une société qui est aujourd'hui plus risquée. Les risques sont probablement différents de ce qu'ils étaient il y a 10, 20, 30, 50 ans, mais ils sont plus nombreux, parfois plus violents. Est-ce que la société ne déteste pas de plus en plus le risque, y compris ce risque qu'elle génère elle-même, et donc l'improbable ? Oui, complètement. En tout cas, moi, je fais partie d'une structure qui est en charge d'avoir une réponse, quelle que soit la situation, lorsqu'elle est survenue. En fait, je travaille beaucoup moins, finalement, sur la probabilité de la survenance d'un risque. Je travaille sur la gestion de ce risque survenu. Je passe complètement sur est-ce qu'on doit s'y intéresser ou pas. D'une certaine manière, mon boulot, c'est de m'y intéresser. Alors, la difficulté que je rencontre, c'est parce que je relève de l'administration, c'est que je suis obligé de demander des budgets pour me préparer avec des matériels très spécifiques à des gestions d'événements très improbables, mais s'ils sont survenus, dont j'aurai immanquablement besoin. Ça, c'est le vrai souci. On en revient au problème de conviction et au problème d'adhésion à une vision qui est un peu, en ce qui me concerne, dans le cadre de mon travail, catastrophiste. Maintenant, quel que soit l'événement, alors on peut pas tout imaginer, il y a au sein de l'administration d'État, des services dont c'est le rôle que de travailler sur des scénarios extrêmement catastrophistes. Le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale s'y emploie. Et moi, d'une certaine manière, mon rôle, c'est de mettre en musique une riposte. Les réponses. Adaptées. Mais le jour où on aura un événement imprévu, improbable, qui sera survenu, on n'attendra pas de moi à ce moment-là de dire « je ne sais pas comment faire parce que je ne comprends pas l'événement ou je n'ai pas de solution à proposer ». Alors ces solutions, comme le dit Edgar Morin, quel que soit mon état de préparation, ça sera à mon tour des paris. Je propose une solution qui est un pari, mais qui va essayer d'anticiper sur l'interaction qu'il y aura ou sur l'événement ou sur les personnes auxquelles on va s'adresser. Mais j'essaye de proposer la moins mauvaise des solutions. On travaille sur 15-20 schémas. L'idée de la gestion de crise et de la gestion de l'improbable, c'est de faire rentrer à tout prix l'événement tel qu'il se produit et qui se présente à moi dans des cases et des cubes que je vais pouvoir comprendre, traiter. Ce qui rassure et ce qui rationalise, c'est à partir du moment où je dis voilà, je comprends ce qui se passe, à partir du moment où je comprends, je peux anticiper, si je peux anticiper, je peux commander quelque chose. Mais tant que je n'ai pas rentré de force les événements forcément disparates, forcément jamais exactement comme ceux sur lesquels on a travaillé, dans les cases et dans la structuration de la gestion de crise telle que je sais moi la mener, on n'aura pas de plus-value sur cette situation. Alors justement, il y a une question, la question numéro 7 qui fait appel à la notion d'improvisation. C'est une question qui peut aller à la fois à vous, à Amaury d'Haute-Cloque et à René Abad. Qu'est-ce qui doit poser cette question ? Vous vous présentez ? Bonjour, ça marche ? Oui, ça marche.
et on vous écoute. Ok, alors bonjour à tous, bonjour messieurs. Je m'appelle Lou Emery, je suis donc élève à la prépa Sciences Po ISTH. Et donc j'ai une question qui s'adresse à monsieur Abbat. Bonjour monsieur. Donc l'improvisation, est-ce que vous pensez que l'improvisation est une arme contre l'improbable en toute situation? Alors, je crois que, avec la division de l'improbable que nous partageons tous, moi je pense qu'on l'a dit, hein, la meilleure préparation à l'improbable, c'est la préparation au futur possible, c'est la préparation des organisations, l'agilité des organisations. Donc, pour moi, l'improvisation, c'est un petit peu l'arme de l'ignorance. L'arme de l'ignorance? De l'ignorance, oui. C'est un peu la croyance au fatum. Peu importe finalement que je me soigne, si je dois mourir, disait Cicéron. Bon. L'homme a appris à se prendre en main et à essayer de réduire l'improvisation en anticipant. Alors, donc plutôt que l'improvisation, moi je préfère le concept de réaction à chaud. Il faut savoir réagir à chaud. Certes, sans avoir un plan défini à l'avance, puisqu'on est dans des choses qui n'ont pas pu être prévues, mais avec l'entraînement, et vous y faisiez référence, M. Otlock, l'entraînement qui fait la différence entre les esprits préparés et les autres. J'ai été frappé par une étude, je ne sais pas quelle est sa valeur scientifique, mais qui disait que dans un crash aérien, ce sont ceux qui ont peur de l'avion ou qui ont déjà connu un incident qui s'en sortent le mieux. Alors, quand le crash survient, ils réagissent à chaud comme les autres, hein, j'imagine. Mais ils se sont souvent inconsciemment préparés, c'est-à-dire ils ont écouté avec attention les recommandations de l'équipage au moment du décollage, ce que beaucoup d'entre nous ne faisons absolument pas. Ils ont lu les brochures, que très très peu de gens lisent quand ils ont l'habitude de prendre l'avion. Ils les ont même relus, ils ont repéré la sortie, les indications lumineuses, le fonctionnement du gilet, etc. C'est une forme de préparation. Et l'étude semble dire qu'ils s'en sortent mieux que les autres quand il y a un accident. Je pense que dans les organisations, dans les entreprises, et celles qui étaient évoquées, la préparation est une nécessité absolue, même si on ne sait pas exactement ce qui va se produire. Donc la préparation plutôt que l'improvisation. Amaury de Clock, et puis après Étienne Klein probablement, et je passerai ensuite la parole à Germain. Amaury de Clock, l'improvisation, vous le disiez, fait partie de votre métier, puisque... aucun des scénarios que vous échafaudez, que vous élaborez, que vous construisez pour répondre aux situations complexes qui seront devant vous ne correspond exactement à la réalité une fois que vous avez engagé l'action. Donc l'improvisation, c'est au cœur de votre préparation? Oui et non. Oui, parce que évidemment la situation est évolutive et elle sera par nature difficile à anticiper dans tous ses paramètres. Non, parce que l'entraînement, la préparation, les scénarios que nous envisageons vont essayer de faire en sorte que, malgré toute connaissance d'un événement ultérieur auquel on pourrait éventuellement raccrocher la situation telle que nous la vivons, on va essayer de retomber sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Prise d'otage, qu'elle soit massive ou complexe, on va la diviser pour essayer d'en faire des prises d'otage qu'on a l'habitude de traiter. La gestion d'un forcené, quelle que soit la nature de sa demande, on va essayer de retomber sur quelque chose qu'on sait traiter. Alors ça ne correspondra pas sûrement à la réalité telle que nous la vivons, mais nous, on va la comprendre, on va l'accepter et on va la faire entrer dans le système qu'on sait faire. Étienne Klein, est-ce que je simplifie si je dis qu'un scientifique qui improvise est un mauvais scientifique? Je ne sais pas très bien quel est le sens de la question. Si vous prenez Einstein, par exemple... Je voulais dire, par définition, le scientifique doit... mettre en équation, en séquence, et il doit avancer pas à pas sans improviser dans la recherche de ce qu'il doit faire. Mais probablement, vous avez une réaction. Je pense que les très grands scientifiques, ceux qui ont été créatifs, sont des gens qui ont été surpris par eux-mêmes. Einstein, en 1907, il est assis sur son petit tabouret à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. Il rêvasse, comme il le fait souvent, et il s'imagine en chute libre. Il s'imagine comme M. Baumgartner qui s'est jeté de 36 km d'altitude. Et il se rend compte qu'il ne sent pas son poids. Il s'imagine en chute libre et il comprend que pour quelqu'un qui tombe, tout se passe comme si la pesanteur avait disparu, puisque les objets qui sont avec lui tombent comme lui. Et d'ailleurs, M. Baumgartner aurait dû emmener avec lui un parapluie ou une boule de pétanque, les lâcher, et on aurait vu que tous ces trois objets, deux masses différentes, tombent à la même vitesse. Einstein a eu cette intuition qui l'a conduit à élaborer 10 ans plus tard la théorie de la relativité générale.
Maintenant, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Nous sommes dans une société qui n'aime pas l'improbable. Et moi, je serais presque prêt à dire le contraire. C'est-à-dire qu'on demande aux scientifiques, à chaque fois qu'ils font une innovation, de rendre complètement improbables les risques associés à cette innovation. Et donc, je pense qu'il y a une exigence d'improbable pour toutes les choses qui nous font peur. Et ça conduit à des situations assez difficiles, puisque personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas de catastrophe, puisque précisément, il y a de l'improbabilité. Simplement, on ne peut pas tous faire le même métier que les gendarmes du RAID. On ne peut pas vivre quotidiennement dans la gestion et la préparation de l'improbable. Il faut quand même vivre à côté. Et il me semble qu'à force de coloniser l'improbable, on est en train de l'investir dans la vie quotidienne des gens, dans le présent. Les catastrophes du futur sont déjà là, psychiquement. Et la vitesse à laquelle cette transition s'est faite est assez rapide. Quand j'étais lycéen, tous les matins, on me distribuait un tract, ça vous donnera mon âge, hein. Tous les matins, on me distribuait un tract en me proposant une image du futur suffisamment crédible et suffisamment attractive pour que toute affaire cessante, j'aille changer le présent afin de faire advenir ce futur. Autrement dit, on me vendait la révolution. Aujourd'hui, tous les jours, on me propose une image du futur suffisamment crédible et suffisamment répulsive pour que j'agisse dans le présent afin de l'éviter. Et donc, en une génération, et je pense que ça parlera à Edgar Morin, la figure de la révolution a été remplacée par la figure de la catastrophe. Je trouve ça, pour la jeunesse qui est là, un peu plombant. Edgar Morin. Oui. Moi, je crois je propose depuis plusieurs années qu'on introduise dans l'enseignement dès le primaire, dans le secondaire, évidemment, dans le supérieur, un enseignement qui serait affronter les incertitudes. Parce que chacun, dans sa vie individuelle, n'est-ce pas, dès la naissance, ne sait pas quel sera son destin, les maladies qu'il aura, les rencontres qu'il fera, la profession, s'il se marie, s'il fera le bon choix ou le mauvais, etc. Donc, le problème de l'incertitude se pose dans chacune de nos vies, et pas seulement d'individus, mais de citoyens, puisqu'effectivement, il faut faire toujours un choix du point de vue politique, dans une situation ambiguë, et du point de vue même d'être humain, de la planète Terre, avec l'ère planétaire, l'ère de la mondialisation, où les incertitudes sont évidemment très grandes sur l'avenir. Et le mot d'incertitude, effectivement, recouvre ces problèmes de probabilité, d'improbabilité, d'imprévu, etc. Et je crois que le grand, et c'est, je reviens à ce que je disais, notre système d'éducation n'arrive pas à nous armer pour affronter les problèmes fondamentaux et globaux de notre vie. Alors que Jean-Jacques Rousseau, quand il parlait de l'éducation et de son élève, il disait: je veux lui apprendre à vivre. Ça ne suffit pas d'avoir la grammaire, les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Apprendre à vivre, c'est affronter les problèmes de la vie. Et parmi ces problèmes, il y a la compréhension d'autrui et il y a l'affrontement des incertitudes. Je crois donc, et c'est très intéressant parce qu'on est obligé de faire un panorama des sciences. Ça commence par la microphysique, la cosmophysique, notre avenir. Il paraît que la Terre est condamnée, enfin pas la Terre, le cosmos est condamné à mort dans je ne sais pas combien de temps. Oui, vrai, incertain. Là, nous avons les incertitudes historiques, nous avons des incertitudes. Donc tellement, par exemple, prenez, alors qu'en 60, on croyait que les maladies bactériennes étaient abolies et qu'on allait abolir aussi les virus, c'est le moment où le sida est ressorti et la tuberculose revient. On croit, c'est dans le fond, je reviens à cette idée, toutes les erreurs, et un grand nombre d'erreurs et d'illusions sont fondées sur des pseudo-certitudes. On croit que des choses arrivent et sont irréversibles. Non, la démocratie n'est pas irréversible, la paix n'est pas irréversible, etc. Il faut savoir qu'on vit dans une époque
aléatoire, dangereuse, de péril. Et ceci peut désespérer certains en disant « c'est absolument épouvantable », mais pour moi, au contraire, ça me tonifie, parce que ça montre qu'il y a toujours une possibilité d'improbable, ça montre qu'il y a toujours quelque chose qui est en mouvement, et ça m'incite, effectivement. Moi, j'ai parié sur l'improbable dans l'épisode que je vous ai raconté en 1941, et je continue à parier sur les divers improbables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant de repasser? Oui, alors, monsieur, là, au milieu, levez-vous. Là, vous avez la main très haut, oui. Levez-vous, on va vous apporter un micro. Et si vous voulez bien vous présenter avant de formuler votre question, ce sera... Merci. Bonjour, je m'appelle Christophe Delachaise, je suis dirigeant d'une petite boîte dans le sud-ouest. Et vous avez beaucoup parlé de prise de risque, de principe de précaution. Alors le principe de précaution a été institué dans la loi il y a quelques années par Jacques Chirac. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une fausse bonne idée, étant donné que le principe de précaution aujourd'hui nous permet de ne prendre aucun risque dans certains cas? Alors peut-être René Abbat et Étienne Klein peuvent répondre. René Abbat, principe de précaution, mauvaise idée? J'hésite un peu parce que moi je trouve que sans principe de précaution, finalement on est dans une société où les hommes et les femmes sont un peu irresponsables des conséquences, des crises auxquelles ils peuvent être associés. Je suis personnellement plutôt favorable et content qu'on soit passé, que le principe de précaution ait conduit finalement à une culture globale de responsabilité, plutôt qu'à celle qui consiste à dire « bon, je ne peux pas prévoir l'avenir, donc finalement, je fais comme si... Enfin, » Dans le doute, abstiens-toi, pour moi, est un mauvais adage. Dans le doute, il faut faire quelque chose. Et c'est un peu ça le principe de précaution. Alors évidemment, il peut être dévoyé, il peut être exploité de façon à conduire finalement à aucune prise de responsabilité, mais je pense qu'il faut essayer de concilier principe de précaution et responsabilité. Donc le principe du principe de précaution vous paraît plutôt bien. Oui. Étienne Klein. Oui, enfin, le point de vue du scientifique. Tel qu'il est formulé dans la Constitution, je le trouve très bien. Il est peut-être mal nommé. La précaution, c'est évidemment une vertu. Mais dans le champ médiatique, je trouve qu'il se décline sous la forme d'une vulgate qui le contredit. Je me souviens que quand Rasmussen, ce coureur cycliste qui gagnait les étapes de montagne dans le Tour de France 2008 ou 2009, a été exclu du Tour, dans l'éditorial de l'équipe, on disait que l'organisation aurait dû exclure de la liste des inscrits ce monsieur en vertu du principe de précaution. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un usage abusif du terme qui embrouille vraiment les choses, de sorte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait plus s'il s'agit de calmer les angoisses ou de calmer les dangers. D'autant qu'il n'y a pas de corrélation, ça a été mesuré de toutes sortes de manières, entre la quantification des risques et la perception que nous en avons. Il y a même un chercheur anglais qui s'appelle Fleming qui a développé une thèse qui semble très bien fonctionner, qu'il appelle le principe inverse d'évaluation des risques. Et il a montré que nous considérons qu'un risque est un risque à partir du moment où nous sommes capables d'imaginer un stratagème ou une action qui permette de le réduire. Parce que si on a fait un risque qui ne peut pas être réduit, ça n'est plus un risque, c'est une fatalité, c'est quelque chose qui est lié à la condition humaine et contre lequel on ne peut rien. Autrement dit, parler de risque, c'est déjà dire qu'on pense pouvoir agir. Et quand on ne pense pas pouvoir agir, on ne parle pas de risque. Par exemple, en France, on n'a pas parlé du risque lié à la circulation automobile avant 1976. Il y avait 16 000 morts par an sur les routes. Ce n'était pas un risque, c'était le prix à payer pour avoir la liberté de déplacement. Et puis un jour, quelqu'un a dit « mais c'est scandaleux » et on a commencé à vouloir diminuer le risque en construisant des ronds-points, en travaillant sur la sécurité des voitures, sur le réseau routier, etc. Très bien, mais quand on combine ce principe de précaution et... un environnement politique ou des choix politiques. Ça donne par exemple ce qui se passe en ce moment, ou ce qui ne se passe pas précisément, sur le gaz de schiste, avec une majorité politique, un président de la République qui dit
non à l'exploitation et non même, pendant 5 ans en tout cas, au travail scientifique qui permettrait éventuellement d'exploiter proprement, entre guillemets, un jour les gaz de schiste. Est-ce que ce principe de précaution fondu dans la loi de la politique n'est pas effectivement quelque chose de problématique ? Vous avez dit vous-même que je suis au CEA pas chez Total, hein, donc je connais pas bien le dossier. Mais il ne me semble pas que ceux qui contestent les gaz de schiste ou leur exploitation s'appuient sur la notion de risque, mais plutôt sur les dommages à l'environnement. Autrement dit, d'après ce que j'ai pu entendre, et c'est sans doute un point de vue partiel, ce qui les inquiète, c'est que, étant donné la quantité énorme de gaz de schiste qu'on a pu repérer aux États-Unis, en Pologne, en Europe... Et en France. On se dit que si on peut exploiter ce gaz de schiste, c'en est fini des accords de Kyoto. C'est-à-dire qu'on est reparti pour des énergies fossiles pour un siècle et davantage. Et je pense que c'est plutôt ça l'argument. D'accord. C'est-à-dire que les gaz de schiste, s'ils sont exploités, permettent de procrastiner et de remettre à bien plus tard les décisions qu'engage le fait qu'un jour les combustibles fossiles auront disparu. Edgar Morin. Il se peut que la planète ne le supporte pas. Edgar Morin. Je veux dire la planète, l'atmosphère. Moi, je pense que le principe de précaution doit être associé à son principe contraire, qui est le principe du risque. Bon, le principe de précaution, il y a évidemment, par exemple, prenez le cas des OGM. Moi, je suis pour le principe de précaution, non seulement pour les dangers éventuels des OGM, mais aussi pour la domination totale d'une multinationale de semenciers qui est Monsanto. Il y a beaucoup. Bon, mais. C'est évident que, mais je veux dire que le principe de précaution a quelque chose de conservateur. Et il y a aussi deux sens au mot conservateur. Il faut conserver l'espèce humaine, il faut conserver la biodiversité, il faut conserver beaucoup de choses de notre culture, il faut conserver des mémoires. Bon. Mais en même temps, il y a un conservatisme qui est un pur immobilisme. Or, l'aventure humaine, c'est du risque. Donc, c'est une dialectique, il n'y a pas de recette de cuisine. Bon, prenez le téléphone portable. Moi, je suis pour le téléphone. Et à un moment donné, on se dit, oui, mais ça peut donner le cancer, ça peut donner ceci. Alors, il faut commencer à appliquer le principe de précaution pour... éliminer les risques. Si, par exemple, les premiers vols aériens qui ont été des échecs avaient accompagné le principe de précaution, il n'y aurait plus d'avions. Qu'est-ce que c'est qu'un avion ? C'est une chose où l'on combine d'une façon extraordinaire le principe du risque, qui est de voler évidemment dans l'air, et le principe de précaution. Donc, nous sommes condamnés à toujours réfléchir. À un moment donné, il y a la précaution qui doit dominer. À un moment donné, c'est le risque qui doit prédominer, mais sans annihiler la précaution. C'est une dialectique permanente et c'est une disposition d'esprit. Parce que là aussi, notre éducation nous empêche de penser deux idées qui apparemment se contredisent en même temps, précaution et risque, alors qu'elles sont l'une et l'autre vitales. L'espèce humaine, l'être humain ne peut pas échapper au risque, mais il a besoin d'utiliser le maximum de précaution. À la salle, monsieur. Oui, je suis Thierry Salentin. Je travaille depuis 43 ans en Guyane française dans la protection de la nature. Et je voulais poser deux petites questions. Une question technique à monsieur de Hauteclocq et une question plus philosophique de vocabulaire et une courte question à monsieur Edgar Morin. Alors, la question technique à monsieur de Hauteclocq. En Guyane française, la France, en 1992, avait solennellement prévu de protéger son immense forêt tropicale, 8 millions d'hectares. Et finalement, on en protège depuis 2007 qu'une toute petite partie, 1,8 million d'hectares, parce que c'est très très difficile pour la France de lutter contre l'invasion des chercheurs d'or. Et or, en Guyane française, on dispose d'un corps d'élite parfaitement entraîné qui s'appelle la Légion étrangère,
mais pour des raisons qui m'échappent, la Légion étrangère n'a que l'ordre de protéger la base spatiale de Kourou et l'ordre de ne rien faire en ce qui concerne les chercheurs d'or. Alors, il y avait eu une idée d'un ministre de l'Outre-mer, puisqu'on ne pouvait pas dire à la Légion d'agir, de dire au RAID de constituer une équipe spécialisée qui acquerrait la même compétence que la Légion pour devenir aussi efficace. Alors, est-ce que, monsieur de Hautecloque, est-ce qu'il y a une idée de transformer un corps d'élite du RAID pour qu'il soit habitué à la forêt tropicale pour être efficace? Alors, la question très courte tout de suite à monsieur Edgar Morin. Écoutez-moi, monsieur, juste. Il y a beaucoup de questions et on a très peu de temps. Donc, une question par personne. Merci beaucoup. D'accord. Merci, je voulais juste dire enveloppement et développement. Non, je vous assure, on a très peu de temps. Non, je vous assure. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question improbable? Ah oui, c'est une question très improbable. Elle est d'autant plus improbable que monsieur fait une confusion, mais souvent partagée d'ailleurs, entre l'unité du RAID que j'ai l'honneur de représenter et qui est du ressort de la police nationale, et peut-être l'unité d'intervention qui est du ressort de la gendarmerie, qui est le GIGN, et qui, eux, ont une compétence à agir, notamment en Guyane. Réponse à votre question très égoïste en ce qui concerne le RAID, non. Il n'y a pas du tout d'ambition de créer une partie de mon unité pour la protection. Pour la protection de l'environnement et la lutte contre les orpailleurs, parce que ce n'est pas ma mission. S'adresser peut-être à la gendarmerie nationale pour avoir un point de vue. Une autre question est une question qui relève du... Alors, madame au milieu là-bas, qui relève du sujet du débat, si c'est possible. Attendez, on vous amène un micro. On vous amène un micro, juste derrière vous, à votre droite. Bonjour, Marie Vériat, je dirige un petit cabinet de conseil aux entreprises. Ma question, moi, c'est de dire, on a beaucoup parlé de préparation pour gérer ou se préparer à l'improbable ou au probable. Et moi, en côtoyant des entreprises, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une époque où on se prépare à tout, où on met des process sur tout. Et ma question est, est-ce qu'on ne doit pas retrouver, alors évidemment en se préparant et en étant professionnel, mais davantage d'intuition, laisser plus de place... Excusez-moi, il faut que vous éloigniez un tout petit peu du micro. On comprend pas ce que vous dites. Les mots sont trop. Donc ma question, c'est de dire, on est dans une époque, et notamment dans les entreprises, vous m'entendez, où il y a énormément de process et de préparation. Et est-ce qu'on ne doit pas laisser plus de place justement à l'intuition, à la créativité, qui sort de chemins extrêmement balisés aujourd'hui? Merci beaucoup. Process contre intuition, René Abbat. J'ai envie de dire les deux, si vous voulez. On ne peut pas, pour certaines choses, rejeter les process. Les process permettent de résoudre, de réagir plus rapidement à un certain nombre d'événements. L'intuition est fondamentale, et donc il faut... La difficulté, c'est de faire cohabiter dans une même organisation ces deux éléments qui sont un petit peu en tension. Mais, vous êtes conseiller d'entreprise, le management, c'est justement de faire vivre dans l'entreprise des éléments qui sont en tension. Et je crois que ces deux éléments doivent exister dans l'entreprise et on ne peut pas ni rejeter l'un ni rejeter l'autre. Une question par ici. Mademoiselle ou madame en haut, est-ce qu'on va pouvoir lui passer un micro ? Voilà, et si vous voulez bien vous présenter, et parlez pas trop près du micro, pas trop fort pour qu'on puisse vous entendre, merci. Bonjour. Alors plus fort. Je m'appelle Dominique Ross. Non, on ne vous entend pas, je sais pas si votre... Alors, comme ça, ça va? Oui, voilà. Alors, je m'appelle Dominique Ross et je suis artiste peintre. Non, je suis désolé, on ne vous entend pas. Comme ça, vous ? Voilà. Alors, je m'appelle Dominique Ross et je suis artiste peintre. J'entends parler de former les enfants, enfin, dans l'éducation, apprendre à gérer des problèmes. Pourquoi j'ai l'impression qu'on pourrait aussi apprendre à... affronter la réussite, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis absolument confus, mais la sonorisation est assez mauvaise. Est-ce que l'un de vous a envie de répondre à cette question que je, pour ma part, je ne peux pas attribuer à l'un ou à l'autre? Vous n'avez
Je suis désolé. Est-ce que vous pouvez... On peut essayer sans micro, peut-être. Non, on ne peut pas. C'est pas grave. Excusez-moi. Mais vraiment, je suis absolument désolé. C'est vraiment très imprévu, en tout cas. L'heure passe. Je vais demander à l'un des étudiants de poser une question. Peut-être que vous pouvez poser la question. Alors, allez-y. Oui, si vous voulez. Bonjour à tous. Ouais, ça va. Donc, je m'appelle Jordan Delorme, je suis étudiant à Normale Sup Cachan en département de mécanique et mécanique. Ma question ne sera pas une question scientifique, pas de problème, pas de mécanique quantique, on va comprendre, hein, il n'y a pas de problème. Ma question, c'est plutôt une question de philosophie, un peu d'ouverture. Là, je me réfère à Arien et au manuel d'Épictète, qui est un manuel de philosophie où on nous incite à avoir, la pensée suivante, c'est que pour être heureux, il faut se contenter de choses qui dépendent de nous. Et finalement, l'être humain, à être perfectionniste et à vouloir tout préparer, parce que c'est un peu notre caractère d'être humain, de vouloir tout contrôler, est-ce qu'on ne serait pas voué au malheur, tout simplement ? Qui veut répondre à ça ? Étienne Klein, peut-être. Est-ce que, en effet, à vouloir être systématiquement dans la perfection, on ne prépare pas le malheur ? En effet, Épictète, qui est un monument de sagesse, dit qu'il ne faut s'occuper que des choses qui dépendent de nous et être indifférent aux autres. Mais en fait, dans la pratique, c'est quasiment intenable. Bon. D'une part parce que, et c'est le résultat de la discussion de ce matin, il ne dépend plus de nous que tout ne dépende que de nous. Et puisque je crois que c'est le moment de conclure, Paul Valéry a écrit une phrase qu'on aurait peut-être pu mettre en exergue de nos discussions. En 1911, il a écrit... Avant la Première Guerre mondiale, il a dit « L'homme sait toujours ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. » Et donc, il me semble que ça invalide toute possibilité de séparation entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, que Épictète avait théorisé. Merci. La préparation à tout, le perfectionnisme, la perfection en toutes circonstances, est-ce que c'est quelque chose qui conduit au malheur ou en tout cas empêche le bonheur ? Je crois qu'il faut, enfin moi j'ai envie de distinguer ce qui conduit au bonheur personnel et l'autre thème qui est le problème collectif. Hein, donc la proposition d'Arien qui est de... elle peut conduire globalement, collectivement, à une situation un peu immobiliste. C'est un peu l'argument paresseux. Dans le doute, abstiens-toi. Moi, je pense qu'elle a probablement de la valeur dans la recherche du bonheur personnel. Par contre, ne pas se préparer lorsqu'on est responsable et lorsque ce que l'on fait a des conséquences sur les autres, à mon sens, c'est plutôt une faute. Demander aux victimes des crises financières si finalement ils n'auraient pas souhaité que ceux qui étaient aux manettes se préparent et anticipent mieux. Donc, c'est un petit peu, je disais tout à l'heure, la tolérance zéro, finalement, c'est pas seulement la paranoïa d'une société qui ne supporte plus l'improbable, mais c'est l'anticipation, une société qui veut que les acteurs soient responsables. Amaury de Haute-Cloque. Oui, alors moi, le malheur, le bonheur, tous ces concepts de situation intérieure, c'est quand même pas tous les jours mon quotidien. J'ai envie de répondre malgré tout à cet étudiant pour lui dire que la prise de position de ce philosophe me semble un peu étrange parce que je rejoins complètement ce qui a été dit aujourd'hui et notamment par Edgar Morin, de dire que le progrès humain a toujours été dû à une situation de déséquilibre et d'un pari fou. Si jamais on s'arrêtait au fait de dire finalement tout ce qu'on ne connaît pas encore, il vaut mieux pas le tenter parce qu'on ne va pas complètement le maîtriser, à ce moment-là c'est... Je suis parfaitement d'accord avec M. Abad, c'est l'interdiction de toute action ou de toute réaction à un événement. J'y crois pas du tout, je pense que c'est une belle notion philosophique dont on peut débattre, mais dans la réalité, je pense qu'elle ne trouve aucune application. Edgar Morin. Oui, disons, Épictète était un des promoteurs de ce qu'on peut appeler la sagesse antique, qui disait qu'il faut mener sa vie selon... la raison. Mais vous savez, une vie qui est menée uniquement par la raison, à la limite, devient une vie absolument folle parce qu'elle élimine la passion, l'amour, l'ardeur, le risque, etc.
et que moi je crois que ce type de sagesse ne vaut pas pour nous. Pour moi, je dirais, la sagesse est une combinaison de rationalité et de folie. Oh, n'adisons pas le mot folie, mais je disais un jeu permanent entre la passion et la raison. Et c'est toujours une aventure, parce que vous ne pouvez jamais bien contrôler l'un et l'autre. Alors donc, c'est vrai, si vraiment, nous courons là aussi, si nous sommes passionnés, le risque de nous tromper, le risque peut-être est plus grave. Mais nous courons aussi la chance de connaître l'épanouissement, de connaître la joie, de connaître la communion et de connaître la poésie de la vie. Donc, si vous voulez, moi je dirais que là aussi, une sagesse moderne ne peut pas se limiter à la pure rationalité. Elle doit comprendre ce qui est aussi l'irrationnel, d'être ouverte là-dessus. Et je pense que c'est une aventure, là encore. Nous sommes renvoyés à l'aventure de nos vies, que ce soit nos vies personnelles, que ce soit nos vies collectives. Nous ne pouvons pas échapper à cette aventure, nous ne pouvons pas échapper aux risques, mais nous devons en effet avoir, grâce à la raison, une correction. Par exemple, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus, c'est extra-lucide et extra-aveugle. Par l'amour, vous comprenez très bien la personne que vous aimez, mais aussi vous pouvez délirer, ne voir en elle que des vertus et ne pas voir aussi ce qu'elle peut avoir de très mauvais. Nous sommes condamnés à ce jeu, à cette aventure, à l'incertitude et à la lutte contre l'incertitude. C'est ça notre destin. Nous allons terminer ce débat. Non, madame, nous allons terminer ce débat. Attendez, nous allons terminer ce débat. Une des règles de la Cité de la Réussite, c'est effectivement de respecter les horaires, de respecter, si possible, la manière d'organiser le débat. Vous savez qu'il y a de très nombreux débats. Je voudrais que, par vos applaudissements, vous remerciez d'abord les étudiants qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont pas pu poser toutes les questions parce que le débat est à la fois trop long et trop court. Et puis que vous remerciez aussi Étienne Klein, Edgar Morin, Amaury de Hautecloque, René Abbat pour leur contribution.